Le MAO, ou Mouvement MAO, est un mouvement anticolonial pacifique au Samoa occidental lors de la première moitié du XXe siècle. Il aboutit à l'indépendance des Samoa en 1962, premier pays du Pacifique insulaire à obtenir son indépendance. Section 1. Contexte historique et genèse du mouvement. À la fin du XIXe siècle, plusieurs dynasties, Malietoa, Mataafa et Tamasese, s'affrontent pour accéder au pouvoir dans l'archipel des Samoa, tandis que les rivalités coloniales viennent déstabiliser plus encore le pays. L'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni rivalisent pour le contrôle des Samoa et soutiennent des monarques samoans différents. En 1889, les trois puissances occidentales s'accordent à reconnaître Malietoa Laupeupa comme roi des Samoa. En 1899, suite au décès de ce dernier, les trois pays occidentaux signent un traité tripartite à Washington. L'Allemagne obtient le contrôle de la majeure partie des Samoa, l'est de l'archipel revenant aux Américains. Les Britanniques renoncent aux Samoa, obtenant en échange la majeure partie des îles Salomon, jusque-là relevant de la sphère d'influence allemande. Ainsi naît la partition de l'archipel samoan entre les Samoa occidentales, allemandes, et les Samoa orientales, américaines. Les Samoa allemandes sont placées sous l'administration du gouverneur Wilhelm Solf. Les tentatives de l'administration allemande de centraliser tous les pouvoirs, au mépris de ceux des chefs et des institutions samoans, ainsi que leur peu de respect pour les pratiques et valeurs coutumières, enfin à Samoa, génèrent un mouvement de protestation. Initié par le chef Lauaki Namulaʻuulu, ce mouvement est appelé Mau a Pule, c'est-à-dire l'opinion des poulets, les poulets étant les plus hautes entités administratives traditionnelles de l'île de Savaii, l'île principale du pays. En 1908, Namulaʻuulu présente à Wilhelm Solf une pétition demandant le respect des pratiques autochtones, une plus grande autonomie pour les Samoans et une transition la plus rapide possible vers un retour à l'indépendance du pays. Ce premier Mao est rapidement réprimé par les Allemands, qui contraignent ses porte-paroles à l'exil sur Saipan, dans les îles Mariannes du Nord, alors sous souveraineté allemande. Section 2. Le Mao contre les Néo-Zélandais. Le 29 août 1914, dès les premières semaines de la Première Guerre mondiale, les forces néo-zélandaises envahissent les Samoa allemandes à la demande des autorités impériales britanniques. L'administration coloniale allemande se rend sans résistance. Les îles passent sous administration néo-zélandaise au sein de l'Empire britannique. En novembre 1918, la pandémie de grippe espagnole atteint les Samoa occidentales et tue 22% de la population. Cette catastrophe est entièrement due à l'inadvertance des Néo-Zélandais, qui n'ont pas mis en place de mesures de quarantaine préventive et qui ont autorisé l'entrée de porteurs du virus dans la colonie. A l'inverse, aux Samoa américaines, il n'y a aucun mort, suite aux mesures de quarantaine introduites par les autorités coloniales américaines. La négligence désastreuse des autorités néo-zélandaises avive le ressentiment des Samoans à leur encontre. En 1920, la Société des Nations confirme l'administration des Samoa occidentales par les Néo-Zélandais, avec un mandat de classe C. Ce dernier signifie qu'en raison du caractère sous-développé de la colonie, les Samoans ne sont pas jugés aptes à se gouverner eux-mêmes dans le court ou moyen terme, et qu'ils sont donc confiés à la responsabilité de la puissance coloniale mandatée. En pratique, les Néo-Zélandais sont libres de gouverner le territoire comme bon leur semble. Ce n'est qu'en 1923 que ceux-ci rétablissent le Fono des Faipule, assemblée consultative de chefs samoans reconnus précédemment par les autorités allemandes. À partir de 1928, les Néo-Zélandais intègrent des chefs samoans à l'administration coloniale. Néanmoins, l'administration néo-zélandaise aux Samoa est peu qualifiée et peu efficace. Ses membres n'y sont souvent postés que durant quelques années chacun et prennent rarement le temps de s'immerger dans la culture samoane ni d'apprendre la langue. Les gouverneurs successifs de la colonie sont souvent des officiers militaires, malgré la mise en place d'un régime civil après la guerre. Ils ont tendance à adopter une approche autocrate. Souvent ignorants ou méprisants envers les coutumes et les pratiques samoanes, ils renforcent le ressentiment de leurs administrés à leur encontre. Le major général George Richardson, gouverneur de 1923 à 1928, cristallise les mécontentements. Bien qu'il ait pris le temps d'apprendre la langue samoane, il a pour priorité de moderniser la colonie. Au nom de l'efficacité économique, il entreprend une individualisation des propriétés foncières au mépris des droits et des coutumes autochtones, et interdit les cérémonies et loisirs autochtones qu'il considère comme une perte de temps.
Les chefs qui résistent se voient privés de leurs titres, voire bannis de leur visa, de leur village, une forme de punition appliquée à plus d'une cinquantaine de reprises lors des 3 premières années de l'administration Richardson, souvent pour punir des transgressions anodines. Le Mao connaît alors une résurgence. Dans les années 1920, le mouvement anticolonial devient un large mouvement populaire, bien plus significatif qu'il ne l'avait été sous l'ère de domination allemande. En octobre et novembre 1926, deux réunions publiques spontanées permettent aux administrés, qu'ils soient autochtones ou colons, d'exprimer leurs griefs en vue de la préparation de pétitions. Certains colons et métis réclament en effet le droit à une plus grande participation au gouvernement et se joignent ainsi aux revendications des autochtones. En mars 1927, un comité citoyen établit formellement la Ligue Samoane, bientôt connue sous le nom de Olemao a Samoa, c'est-à-dire l'opinion résolue des Samoa. Le Mao appelle à l'indépendance du pays et donc au départ des autorités néo-zélandaises. En mai, Olaf Nelson, un métis et l'une des figures de proue du mouvement, lance le journal Samoa Guardian. Doté d'un comité central, le Mao devient cette même année un gouvernement alternatif aux autorités coloniales. Il établit son quartier général dans le village de Vaimoso, sous la direction du grand chef Tupua Tamasese Lealofi III, mais a des branches locales dans la quasi-totalité du pays. Le gouvernement colonial estime que les 2 tiers de la population se reconnaissent dans le Mao, tandis que ce dernier revendique le soutien de 90% des habitants. En juin 1927, Richardson ordonne au Mao de se dissoudre et menace de déporter tout colon qui participe au mouvement. La population blanche étant contrainte de se distancer du Mao, ce dernier devient davantage un mouvement proprement autochtone. Le Mao entreprend une politique de non-coopération passive vis-à-vis des autorités coloniales. Les instances locales relevant de l'administration coloniale ne se réunissent plus. La population refuse de travailler sur les plantations. La très grande majorité des Samoans ne paient plus leurs impôts aux autorités, mais les versent au Mao. En septembre, une commission néo-zélandaise entend les griefs des Samoans à l'encontre des autorités, mais publie un rapport soutenant Richardson et accuse le Mao d'être un mouvement entretenu par une minorité d'agitateurs blancs et autochtones. Début 1928, Olaf Nelson et les autres principaux membres métis ou blancs du Mao sont déportés en Nouvelle-Zélande. Là, Nelson envoie des pétitions au gouvernement néo-zélandais, continue à mener campagne pour l'indépendance des Samoa et obtient le soutien du principal parti d'opposition néo-zélandais, le Parti travailliste. La même année, il présente une pétition contenant les signatures de 86% de la population adulte masculine des Samoa à la Société des Nations à Genève. La commission permanente chargée des mandats refuse de lui accorder une audience. Section 3, répression et le samedi noir de 1929. À la demande de Richardson, en février 1928, la Nouvelle-Zélande envoie des soldats et 2 navires de guerre aux Samoa pour réprimer le Mao. Quelques 400 membres du Mao sont arrêtés. En réponse, des centaines d'autres se présentent spontanément pour être incarcérés aux côtés de leurs camarades. Les prisons ne peuvent tous les contenir. Ce coup d'éclat de la résistance pacifique du Mao est une profonde humiliation pour George Richardson, qui quitte la colonie en avril. Il est remplacé par le colonel Stephen Allen, qui poursuit la politique de répression. L'année 1928 connaît 2 violents affrontements entre la police coloniale et des membres du Mao qu'elle tente d'arrêter. Le second affrontement, en novembre, se solde par l'arrestation de Tupua Tamasese Lealofi III, le principal dirigeant du Mao. Il est condamné à 6 mois de prison en Nouvelle-Zélande, puis revient au Samoa. Le samedi 28 décembre 1929, le Mao organise une manifestation pacifique dans les rues d'Apia, la capitale. La police tente d'arrêter l'un de ses membres. La foule s'y oppose et un affrontement s'ensuit. Des policiers tirent en direction de la foule. Un policier isolé est battu à mort par des manifestants. La foule s'approche du poste de police où les policiers se sont réfugiés. 3 policiers, se sentant pris au piège et pris de panique, tirent dans la foule, faisant au moins 8 morts, dont Tupua Tamasese Lofi III, qui à ce moment cherchait à restreindre et à calmer la foule. Tandis que les Samoans pleurent leur grand chef, une enquête néo-zélandaise conclut que l'usage des armes à feu avait été justifié, avivant ainsi encore les tensions. Le 13 janvier 1930, Stephen Allen,
décrète que le Mao est une organisation séditieuse. Traqués par les soldats néo-zélandais, ses membres sont contraints d'abandonner leurs quartiers généraux et de se réfugier dans la clandestinité, dans l'intérieur des terres. La population les abrite, ce qui mène les soldats néo-zélandais à organiser des raids sur les villages. Les hommes étant contraints de se cacher, les femmes deviennent un temps le visage public du Mao, gérant les affaires du mouvement. En mars néanmoins, le Mao capitule et se dissout sous la contrainte. Un nouveau gouverneur, le brigadier général Herbert Hart, est nommé en avril 1931. Les quelques partisans du Mao qui osent encore s'exprimer sont arrêtés. Olaf Nelson, revenant d'exil en 1933, parvient brièvement à raviver le mouvement, mais est arrêté et déporté à nouveau en 1934. Section 4. L'autonomie et l'indépendance. Si le Mao en 1934 semble bel et bien avoir été réprimé, il reprend vie grâce à l'élection en 1935 du premier gouvernement travailliste en Nouvelle-Zélande, dirigé par l'emblématique Premier ministre Michael Savage. Les travaillistes avaient pris parti pour le Mao dès la fin des années 1920, et le gouvernement Savage, auteur par ailleurs de l'État-providence en Nouvelle-Zélande, ouvre des discussions avec les nationalistes samoans. L'interdiction du Mao est révoquée en 1936, de même que l'exil forcé d'Olaf Nelson. Le Mao devient dès lors la principale force politique de la colonie, obtenant la majorité des sièges dans le nouveau FONO, l'Assemblée consultative autochtone, de même qu'à l'Assemblée législative coloniale. La progression vers une réelle autonomie politique est ralentie par la Seconde Guerre mondiale. En 1947, la nouvelle Organisation des Nations Unies confirme le mandat néo-zélandais sur les Samoa, étant clairement entendu toutefois que le rôle des néo-zélandais est de préparer le plus rapidement possible les Samoans à l'indépendance. Un conseil d'État est mis en place, associant le haut commissaire néo-zélandais et deux grands chefs samoans. En juin 1948, le drapeau samoan est hissé pour la première fois aux côtés du drapeau néo-zélandais. En 1957, le pays obtient sa pleine autonomie, suivi par un référendum pour l'indépendance en 1961. Les Samoa occidentales accèdent au statut d'État souverain le 1er janvier 1962. Il est alors le premier pays parmi les îles du Pacifique à retrouver son indépendance. L'un de ses deux premiers co-chefs d'État est Tupua Tamasese Maeole, tenant du titre de Tupua Tamasese et fils du martyr du Mao Tupua Tamasese Leolufi III. Section 5. Le Mao aux Samoa américaines. Les Samoa américaines ont également connu un Mao, mouvement de résistance non violente, mais beaucoup moins influent dans le long terme. Il est fondé en avril 1920 par les chefs de l'île de Tutuila, la principale île de la colonie, et parvient brièvement à paralyser les activités de l'administration coloniale américaine. Cette dernière réprime rapidement le mouvement. Un navire de guerre est envoyé à la colonie, et 19 chefs sont emprisonnés. Sérieusement affaibli, le mouvement disparaît à la fin de la décennie. Les Samoa américaines restent à ce jour un territoire autonome non incorporé des États-Unis, et ses dirigeants élus par la population sont hostiles à toute notion d'indépendance. Fin de l'article.